Bonjour. Comment ça va? Nous allons commencer dans 30 secondes. Je vais partager mon écran. Bon, alors le partage de mon écran se fait. Bon, alors bonjour les élèves de 9e année. J'espère que tout le monde est là. Monsieur Paiement est là. C'est parfait. Ma porte est encore ouverte. J'espère que ça va se fermer éventuellement. Mais on est ici. Est-ce que peut-être les enseignants peuvent, s'il te plaît, mettre leur nom dans le chat pour que je sache que vous êtes là? Donc, si vous pouvez, chers enseignants, s'il te plaît, écrivez votre nom, dites bonjour dans le chat. Merci. Et je vais commencer immédiatement parce que j'ai quand même beaucoup de choses à faire. Alors, chers élèves de 9e année, je vais vous parler d'un choix de cours. Un choix de cours qui te prépare pour la 10e année. L'objectif est que je vous donne l'information que vous soyez équipés pour faire un bon choix de cours pour être capable de vous rendre où ce que vous voulez vous rendre dans le futur. Donc, je vais commencer avec l'essentiel. Les élèves, tous les élèves de la 9e année vont devoir prendre les cours obligatoires de la 10e année. Ce sont le cours de English, puis je dis bien English parce que c'est un cours pareil que les écoles anglophones, donc c'est un cours d'anglais. Le cours de français, mathématiques, sciences et histoire. Donc, ça, c'est les différents cours obligatoires qui sont soit en appliqué ou théorique, puis on va parler de ça tantôt. Plus, il y a le cours de civisme et choix de carrière. Donc, civisme, c'est un demi-crédit, puis choix de carrière, c'est un autre demi-crédit. Donc, tu vas faire deux cours. La façon que ça va fonctionner, probablement, que ça va dépendre de ton enseignant, mais vous allez faire un des deux cours pendant 2 mois de un semestre et ensuite l'autre cours pendant un autre 2 mois. Vous allez aussi avoir un cours de religion. Le cours de religion doit être pris en 10 ou en 11. Puis on va parler plus de ça dans une seconde pour vous guider sur ces choix-là. Donc, religion, si tu le choisis de le prendre en 10, mais dans ce cas-là, tu as une option à choisir. Si tu le prends en 11e année, bien dans ce cas-là, tu as deux options à choisir en 10e année. Sachez qu'en 10e année, il y a plusieurs cours optionnels un petit peu, ou obligatoires, comme en 9e année. Mais en 11e et 12e année, il y a plusieurs cours au choix. En 11e année, tu n'as qu'à prendre anglais, français et mathématiques. Les autres cours, les autres 5 cours, ce sont des cours que vous allez choisir selon vos intérêts. En 12e année, il y a encore, tu as la chance pour faire 6 cours au choix que vous choisissez. Mais en 10e année, tu as un ou deux options à choisir selon ton choix. Parfait. Alors, voici les décisions que vous devrez prendre lorsque vous allez faire votre choix de cours. La première chose à faire, c'est qu'en anglais, français, mathématiques, sciences et histoire, ils sont offerts soit en appliqué ou soit au niveau théorique. Et donc, tu dois choisir selon qu'est-ce que tu as fait en 9e année. Comment bien tu as réussi au premier semestre. Tu dois choisir ceci pour être capable d'être bien. Donc, et tu vas choisir selon ta destination postsecondaire, selon qu'est-ce que tu veux faire. Certains programmes, dépendant qu'est-ce que tu veux faire, certains programmes au niveau universitaire, nécessite mathématiques et sciences, mais il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de mathématiques et sciences. Donc, tu peux aller étudier, par exemple, en criminologie, en psychologie, par exemple, sans avoir des mathématiques et des sciences au niveau théorique. Donc, selon tes forces, tu vas choisir ta destination ou ta filière, soit de prendre les cours appliqués ou théoriques.
Je vais aussi mentionner que les cours, si tu as pris un cours appliqué en 9e année et tu as eu 85% ou plus, dans ce cas-là, tu peux aller dans le cours théorique de l'année prochaine. En dessous de ça, ce n'est pas recommandé. Pareillement, un élève qui a eu 70% au niveau théorique et plus, donc peut sans problème, sans question, continuer dans la filière théorique en 10e. Si dans le cours de théorique, tu as eu moins que 70% dans ce cas-là, ça veut dire que tu vas avoir la difficulté dans ton cours théorique de 10e année. Donc, ce serait à recommander de prendre le cours appliqué. Même chose pour mathématiques. Si tu as eu dans le cours des cloisonnés moins de 70%, bien dans ce cas-là, ça serait à revoir peut-être le cours appliqué sera recommandé plus gros que théorique en 10e année. Si vous voulez changer de filière, quoi que ce soit, bien, faites un rendez-vous avec moi, puis on va voir qu'est-ce qui est possible. Mais en règle générale, les élèves en appliqué choisissent un cours appliqué l'année prochaine. Les élèves en théorique qui réussissent bien dans leur cours vont continuer dans la filière théorique. Ceci dit, moi, je parle des résultats scolaires que vous avez eus, mais vous venez de commencer 4 nouveaux cours. Donc, c'est clair que vous n'avez pas les résultats scolaires pour les 4 cours que vous avez en ce moment. Donc, on va vous demander de, on vous espère pour le mieux, vous allez bien, on va supposer que ça va bien pour le moment. Si jamais ça va moins bien pour vous dans une matière ce semestre, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est on pourra faire des ajustements. Ceci dit, je veux que vous faites votre choix de cours comme si vous allez dans ces cours-là. Donc, pensez-y, prenez du temps à réfléchir, parlez à vos parents par rapport à qu'est-ce qui est important, etc. Parce que ces choix de cours-là sont importants. Puis, on veut éviter que tu rentres dans un cours déjà trop tard, tu sais, une semaine ou deux semaines. C'est pas une recette pour le succès. OK? Maintenant, tu dois aussi choisir, donc une fois que tu as choisi théorique ou appliqué pour tes cours, tes 5 cours, et tu vas prendre, toi, tes choix de carrière, ça, c'est pas de décision, tu vas avoir besoin de choisir si tu veux faire partie de la concentration ou non. Donc, dans la concentration, il y a des frais de 100 $ pour la majorité des programmes. Hockey est 650, puis je vais parler des raisons pour les frais tantôt. Mais la concentration a des frais. Si tu ne veux pas faire partie de la concentration, tu n'es certainement pas obligé et tu peux choisir des cours. Il y a des cours pour vous. OK? Comme je vous ai parlé par rapport à les options qui sont offertes, vous avez le droit de 1 option ou 2 options selon si tu prends le cours de religion en 10 ou en 11. Donc, il va falloir que tu choisisses comme ton option. Est-ce que ton option, ça va être les cours de concentration? Est-ce que ça va être un cours d'éducation physique? Et aussi, je voulais juste le mentionner un petit peu, il y a le sport X aussi qui est encore disponible pour les élèves de 10e année. Il est offert normalement en 2e semestre à The Yard pour ceux qui s'intéressent à la trottinette etc. C'est beau les sports extrêmes. OK? Si vous voulez plus d'informations, j'ai envoyé le lien à vos parents à plusieurs reprises. Il s'en vient, vous allez recevoir, vos parents vont recevoir une invitation aussi par courriel. Donc, la soirée d'information, c'est le 17 février à 6h30. La concentration maintenant. Dans la concentration, sont pareils que cette année. Donc, il y a le volet des arts, le volet technologique, le volet affaires et le volet sport-études. Si un élève fait le volet affaires, en 11 et 12, c'est possible d'avoir un diplôme spécialisé, la MHS, la majeure haute spécialisation. Mais ça va, on va en parler plus en 10e année parce que c'est un choix à faire de la 10 à la 11. Mais sachez qu'il y a la possibilité en affaires, on a la certification pour offrir la MHS à affaires. Nous avons aussi un site web. Monsieur Brassard a travaillé très fort pour offrir un site web.
je vais juste ici, aller voir, donc un nouveau site web qui explique, qui donne des informations et tout ceci, les enseignants, les calendriers, puis toutes les informations nécessaires pour savoir, pour faire tes choix au site web. Donc, ça, c'est là. Bon, je retourne à ma présentation. Nous avons donc le volet art, donc les élèves qui s'intéressent dans l'art, le programme CIEL, créativité, innovation, entrepreneuriat et leadership se démontre dans les cours d'art. Donc, un élève qui s'intéresse à faire la gestion d'événements, les cours, etc., veulent utiliser leur créativité. Qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent le cours de religion de 10e année, la religion de la concentration avec un T, OK, après, et aussi un cours d'art, donc art dramatique ou un cours de musique ou un cours d'art visuel ou danse. Donc, tu choisis tes deux options, seront donc le cours de religion et un cours de la concentration art, et ceci indique que tu veux faire partie de la concentration art. Si tu t'intéresses au volet technologie, de la technologie, donc qu'est-ce que tu ferais, c'est que tu choisirais encore une fois le cours de la religion, le cours religion, ainsi que le cours d'informatique, le ICS de programmation de OT. Donc, ces deux cours-là vont ensemble pour démontrer votre intérêt et votre inscription dans le volet technologique. Pour le volet affaires maintenant, donc les élèves choisissent le cours de religion. Le cours de religion, en passant le programme CIEL, va être plus l'entrepreneuriat social. Donc, vous allez faire des choses au niveau communautaire qui démontrent la créativité, le leadership, l'entrepreneuriat à l'intérieur du cours de religion. Donc, il est un petit peu différent du cours de religion qui n'est pas dans la concentration que vous pouvez prendre dans le programme régulier. En ce qui concerne, c'est plus l'entrepreneuriat social. Ce volet ici aussi, le volet d'affaires, a aussi le cours de religion, entrepreneuriat social, ainsi que le cours de marketing. Le cours de marketing, c'est une cote de cours de la 11e année, mais c'est un cours collégial de 11e année. Les élèves qui s'intéressent au volet affaires choisissent ces deux cours-là. Pour le sport-études, alors, il y a un nouveau sport-études qui s'annonce, donc le basketball pour la première fois sera offert. Volleyball, hockey et soccer, c'est déjà pratiqué déjà cette année. Les quadrimestres, c'était pas aussi le fun, mais un semestre où ce que tu vas avoir éducation physique, un cours de sport-études pendant du mois de septembre jusqu'à au mois de juin ça va être bien. On va être capable de faire plusieurs activités. Mais les trois sports, donc un élève qui s'intéresse à le sport-études vont choisir pour ces deux options les deux cours de sport. Donc, un élève qui s'intéresse au volleyball va choisir le PPL2OV et le PAL2OV comme option. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas la place pour le cours de religion. Ils devront prendre le cours de religion soit comme cours d'été ou en 11e année, si jamais ça les intéresse. Donc, un élève en sport-études devrait avoir un cours d'éducation physique si on est semestrier. J'avoue que j'espère que oui. Un semestrier pendant toute l'année longue. C'est parfait. Si la concentration ne vous intéresse pas, vous le préférez de sortie, etc., plusieurs différentes options. Vous devez choisir, est-ce que je prends le cours de religion cette année ou l'année prochaine? Pour parler des deux cours de religion, parce qu'un élève peut choisir le HRE2O, c'est un cours de religion catholique, il est ouvert, et c'est un cours de 10e année, mais les élèves peuvent le prendre en 11 aussi. Ou vous pouvez prendre le cours de HRT 3M. C'est un cours, c'est un peu plus académique. Il y a un peu plus de lecture et d'écriture, mais c'est le cours de religion du monde. Donc, c'est dans un contexte religieux aussi, mais on apprend par rapport à notre place comme catholique à l'intérieur des différentes religions. Donc, vous allez apprendre sur toutes les religions.
okay, dans le cours de 3N. Et vous, si vous prenez religion, vous avez le choix de cours de religion. Si vous êtes dans le programme régulier, tu peux choisir soit le cours de 10 ou le cours de 11. Le cours de 11e année ne fait pas partie de la concentration. Donc, si tu veux faire partie de la concentration affaires art ou techno, tu dois prendre le cours de religion de 10e année de la concentration. Si tu veux faire plus d'options en 10, puis prendre le cours de religion en 11e année, tu peux juste choisir deux des options qui se trouvent en bas ici, là. Donc, les options n'ont pas de préalable. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir pris, tu sais, cuisine en 9e année pour prendre cuisine 10e ou informatique ou art. Donc, n'importe quel de ces cours-là, tu peux les prendre même si tu les appropries en 9e année. Les cours optionnels que vous avez sont éducation physique, art dramatique, musique, art visuel, danse, construction, espagnol, cuisine et un nouveau cours qu'on vient de lancer, enjeux et perspectives des PNMI. Le cours, c'est un cours d'11e année mixte NDA 3M. Donc, il y a plusieurs options pour vous et très peu de place, mais on va parler des options que vous avez tantôt. Les ressources maintenant. Monsieur Paiement m'aide, en fait, il fait pas mal tout le travail, à concevoir un site web orientation pour le choix de cours. Donc, vous devriez avoir accès par la fin de la semaine, nous espérons, où est-ce que vous pouvez trouver les ressources. Ceci dit, cette présentation ici, ainsi que l'offre de cours qui est déjà à ton choix de cours, je crois, sera disponible dans le classroom de l'orientation. Donc, toute cette information-là va vous être transmise dans le classroom. Il va aussi avoir une vidéo sur comment faire le choix de cours dans Zello aussi pour vous aider. Malgré que vous l'avez fait l'année passée théoriquement, donc c'est pas très compliqué, mais je suis certaine que vous allez habiter. Dans le communiqué qu'on envoie, c'est pas un communiqué du vendredi, c'est envoyé le mercredi maintenant de la semaine, j'envoie plusieurs informations à vos parents et c'est envoyé aussi à vous, les élèves, par courriel. Donc, regardez la partie orientation, vous allez peut-être apprendre certaines choses, avoir des ressources, etc. L'autre ressource, c'est Zello. Si vous avez besoin de savoir comme c'est vraiment, tu sais, j'aime pas les mathématiques, je réussis pas bien en mathématiques, mais je suis pas certaine si j'ai besoin des mathématiques. Zello pourrait vous aider. Il y a aussi le site web des Ontario, les universités de l'Ontario, qui peut vous aider à trouver les préalables pour les programmes universitaires, et le site web Collège de l'Ontario qui peut vous aider à trouver les sites web ou trouver des préalables pour les programmes collégiales. Donc, tout ceci te permet d'avoir une bonne source d'informations pour être capable de faire un bon choix de cours. Il y en a toujours qui veulent en faire plus. Si c'est vous, on peut en parler. Voici quelques options. Ceci dit, c'est pas nécessaire de faire des cours d'avancement, mais je sais comme les raisons pour lesquelles tu voudrais faire des cours d'avancement. S'il y a comme tous les cours optionnels, j'aimerais les prendre. Donc, si tu veux enlever un cours obligatoire, peut-être le cours de carrière ici 20 ou le cours de religion, ce sont des cours qui seront assez bien en ligne à l'été. Vous pouvez peut-être prendre un de ces cours-là à l'été et le remplacer par une autre option. Comme ça, tu peux prendre gym et art visuel et religion à ton choix de cours. Ou tu peux même prendre un cours de 11e année à l'intérieur de ton cours de 10e. Donc, tu pourrais t'avancer de cette façon-là. Mais sachez que même si tu as plusieurs crédits en banque, tu as fait des cours d'été l'été passé, cet été, le maximum, tu peux pas avoir premièrement de période d'études en 10e ou en 11e année. Et tu peux avoir un maximum de 2 périodes d'études en 12e année. Donc, un semestre doit absolument avoir 3 crédits à son horaire. Donc, soit 0
ou 3 crédits. Donc, tu ne peux pas avoir 2 crédits dans un semestre. Donc, pour les élèves qui ont déjà fait un cours d'été puis en font un autre, comme tu ne peux pas en faire plus. Donc, juste gardez ça en tête quand vous prenez un cours d'été parce que je ne peux pas vous donner plus qu'une période d'études par semestre. Donc, les cours d'été, choix de carrière, religion sont des bonnes options. J'ai déjà fait des cours de langue aussi. Il faudrait qu'on se pense si c'est une option pour vous. Il y a aussi des façons d'aller chercher des crédits, puis c'est pas une mauvaise idée pour les élèves de 9e année, 10e année, d'aller chercher de l'expérience de travail, un co-op. Il y aurait possibilité que vous allez travailler à l'été puis recevoir des crédits. Et il y a tous les cours hors horaire, donc l'harmonie. Le cours de PAI, c'est un cours où est-ce que tu fais des sports, puis si tu fais des sports et des travaux, et tu reçois un crédit. Donc, 110 heures de sport plus des travaux, tu peux recevoir pour un cours qui se fait après les heures de classe. Tu n'as pas besoin d'être en classe, mais tu fais le travail, puis tu peux recevoir un crédit. Donc, il y a plusieurs différentes options. Le cours de l'annuaire aussi, c'est un cours de photographie après les heures de classe. Ce sont des options pour aller chercher des crédits d'extra si jamais vous en voulez. Mais vraiment, ce n'est pas du tout obligatoire. Des fois, ce n'est même pas recommandé dépendant de votre situation. Des fois, c'est le fun de juste prendre l'été de congé aussi. OK? Pour parler des cours à l'été, je voulais m'assurer que c'est clair. Les cours sont en ligne asynchrone. Ça veut dire que tu travailles à ton propre rythme, tu travailles, il n'y a pas de meet ou quoi que ce soit avec les enseignants. Tu peux les rencontrer par rendez-vous pour leur parler. Mais si tu travailles en ligne asynchrone, tu peux t'attendre à avoir 5 à 6 heures de travail, de devoirs à faire à tous les jours. Et les cours d'été se font juste au mois de juillet. Donc, pas de cours. Tu dois avoir fini le cours dans le mois de juillet. Donc, si tu as des plans de vacances, de vacances au mois de juillet, ben ça serait probablement pas une possibilité pour vous. J'ai envoyé justement, puis ça va être sur le site web aussi qu'on va vous partager, le lien d'un Google Form que vous devez remplir pour signaler votre intérêt pour les cours d'été. Donc, ça a été dans le communiqué il y a quelques semaines passées. Il va être dans le site web. Donc, tu peux dès maintenant dire à Madame Moquin, je veux prendre un cours d'été. Ça va me permettre aussi, si tu signales ceci, d'enlever le cours que tu veux prendre à l'été dans ton choix de cours, puis ajouter le cours que tu veux avoir. Donc, si tu remplis ce formulaire-là, moi, je veux savoir, pas toi, il faut que ça soit fait par vos parents, moi, je veux savoir que tu veux faire un choix de cours, un cours d'été, et tu t'engages à faire ce cours d'été et le terminer par la fin de l'été. C'est beau? Donc, cette information s'en vient d'ici la fin de la semaine et tu l'as déjà pour certains. Le processus, donc comment est-ce qu'on va procéder? Mais la première étape, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu fais ton choix de cours dans Zello. Maintenant, Zello, tu vas accéder, pas juste en ligne, Google it, là. Tu vas aller dans ton portail élève. Et tu vas trouver l'application Zello. Puis, je vais te montrer un petit peu qu'est-ce que ça a l'air, Zello, dans une seconde. Mais tu vas trouver l'application Zello et la planification de cours. Ceux qui ont eu Géo avec moi, au Géo au premier semestre, là, vous avez tous touché à Zello. Donc, vous faites votre choix de cours à Zello. Pour que ça fonctionne, il faut que tu soumettes ton choix de cours. Si jamais tu as une bulle rouge, OK, ça veut dire que tu n'as pas le préalable pour le cours que tu as choisi. Deux options. Un, tu dis, Madame Moquin, ça c'est weird. J'ai le préalable pour ce cours-là. Peux-tu regarder puis me laisser prendre ce cours-là? Donc, tu m'envoies un courriel parce que, étant donné que vous avez plusieurs de façons d'aller chercher les cours maintenant, les cours au AAV, des cours, du Cavalfo, des cours d'éducation permanente, des fois, Zello ne lit pas tous les cours. Donc, si tu as une bulle rouge puis tu ne comprends pas pourquoi, s'il te plaît, m'envoyer un courriel.
OK? L'autre chose très importante, une fois que tu as soumis le choix de cours, tu ne peux pas faire de changement à ton choix de cours. Donc, c'est important de vérifier avec tes parents avant de soumettre ton choix de cours, s'assurer qu'ils sont d'accord avec le choix de cours parce qu'ils ont besoin de le signer et de donner leur approbation pour ceci. Donc, avant de soumettre, vérifie tes parents si tu es sûr que tout est beau, que tu ne vas pas changer d'idée. Tu soumets le choix de cours, tu imprimes le choix de cours et il va être remis à nous. Je pense qu'aujourd'hui, je devrais être capable de le faire ou demain, créer un devoir dans le classroom de l'orientation et vous allez l'indiquer ou l'aller le placer dans le classroom avant la date limite le 28 février. Je pense que ça va être 9 h le soir ou quelque chose parce qu'on ne veut pas que tu le fasses jusqu'à minuit. Le 28 février. Donc, ça, c'est la date limite pour avoir tout fait, processus. Donc, assurez-vous d'avoir fait ça avant le 28 février, d'avoir accès à Zello, d'avoir pensé à ces choses-là. Gardez pas trop de choses à faire à la date limite, on veut vraiment recevoir les choix de cours avant le 28 février. Okay? Là, je vais vous montrer, non, je ne vais pas vous montrer le site web parce qu'il n'est pas prêt. Il y a un Kahoot, par exemple. Donc, je vais juste aller voir un Kahoot. Avant de faire ça, par exemple, je vais juste faire un petit tour de Zello. Ici, quand que vous rentrez dans Zello, vous allez voir l'écran tel quel. Vous cliquez sur planification de cours. OK? Et vous allez être capable de choisir les cours de la 10e année. Moi, j'ai déjà, je suis rentrée, puis j'ai rentré le cours de français théorique parce que j'ai continué, j'avais 71%. Je veux continuer en français théorique ici. Anglais théorique, j'ai eu 88%. Je vais continuer en anglais théorique. Maths, j'ai fait le cours pré-emploi. Oh, wow, 100%. Je peux prendre le cours de maths 9e, qui est préalable pour le cours de 10e, ou je peux prendre le cours de PE ici. 100%, c'est pas très réaliste. Je suppose qu'ils ont reçu ces choses-là. Ensuite, sciences aussi, PE, donc j'ai choisi le cours de sciences. Je veux juste vous montrer, donc, qu'est-ce que vous faites. Là, vous cliquez sur le cours d'histoire, vous choisissez le cours appliqué ou théorique, et vous vous indiquez là. Vous pouvez aller, tu sais, dans le coin droit où tu peux terminer. Regarder qu'il est bel et bien là, puis ensuite continuer de cette façon-là, ou tu peux aller le choisir. Quand tu choisis le cours de choix de carrière, ils vont te dire, si tu prends le cours de choix de carrière, il faut que tu prennes aussi le cours de citoyenneté. Je dis, oui, c'est correct. Donc là, ils vont t'apporter à le cours de citoyenneté. Il est déjà à ton horaire, donc tu n'as pas besoin d'ajouter. Si tu veux le supprimer, par exemple, tu peux le supprimer. Ensuite, tu vas au cours, tu vas terminer. Pour les cours optionnels, là, tu ne vas pas aller ici. Pour les cours optionnels, tu vas aller, donc, si tu vas pas, tu peux pas te fier à ça ici comme cours optionnel. Parce que là, ici, ils ont tous les cours qui existent au monde. C'est même pas des cours qui sont offerts, même à Paul Desmarais. C'est bien bizarre. Donc, si tu veux trouver les cours optionnels de Paul Desmarais, tu cliques ici dans le blanc. Et tu vas à option Paul D. Et là, tu vas aller voir toutes les différentes options qui sont disponibles à toi. Donc, construction, théâtre, sport X, marketing, espagnol, etc. Si tu choisis un cours de la concentration, OK, il va assure-toi de choisir aussi le cours qui va avec. Donc, quand il y a une bulle bleue, s'il te plaît, le lire, ça dit, ah, ceci est un cours de la concentration au ciel, il faut payer 100 $ et tu dois aussi choisir le cours de, attends une minute, de religion. Donc, tu vois ici le cours de religion. Oh. Théoriquement, c'est juste que mon élève démonstratif, puis j'ai pas le choix, a déjà pris religion en 9e année. Mais normalement, ici, là, en bas, si tu n'as pas pris religion en 9e, puis il n'y a personne d'entre vous qui a pris religion en 9e,
Le cours de religion devrait être ici et vous pouvez choisir le cours de religion ici au lieu, puis le cours de religion de la concentration, le cours régulier ou le cours, si tu es dans la concentration, c'est le cours de religion de la concentration. Si c'est un cours de danse, pas de concentration, dans ce cas-là, tu as le choix de quel cours de religion tu veux choisir. Donc, vous choisissez un cours ici. Je vais donc choisir le cours de HRE2OT. Donc, je peux l'écrire. Je veux choisir ce cours-là. Je vais l'ajouter à mon choix de cours. Je dis que j'ai terminé. Et je vais aussi choisir un cours de substitut. Donc, si jamais mes cours optionnels ne fonctionnent pas, on a plusieurs cours optionnels. Puis, s'il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt dans le cours, on va avoir besoin de l'annuler et te placer dans ton substitut. Donc, tu peux aller choisir, encore, je vois option Paul D, tu peux aller choisir un cours, un deuxième cours. OK, bien, je vais faire basket alors. Si je ne peux pas rentrer dans la concentration, je vais faire le cours de basketball. Une fois que c'est terminé, vous allez envoyer, assurez-vous de vérifier, être capable d'envoyer, soumettre ton choix de cours et vous allez être capable d'imprimer ici votre choix de cours. Je ne vais pas le faire, mais, et les imprimer, faire signer et l'indiquer dans le classroom. Donc, ça, c'est à faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais faire un petit Kahoot. Je vous invite à prendre vos ordinateurs, vos téléphones et rentrer. Je vais vous présenter dans quelques secondes le code, mais vous pouvez juste rentrer dans Kahoot pour le moment. Donc, je vous offre ici. Oups, mode classique. Et le numéro est affiché. Donc, 8-6-2-6-5-5-1. S'il te plaît, je vous fais confiance là. De pas mettre des choses intéressantes comme non, s'il te plaît. Vous faites, les 9e années sont assez matures pour ça. OK? C'est beau. Donc, continue. Le code, c'est 8626571. Donc, vous êtes à peu près 200 élèves de 9e année. Donc, je vais prendre un petit peu de temps. On va voir si vous avez bien écouté ma présentation. On va le voir vraiment rapidement si vous avez bien écouté. Donc, c'est beau, j'ai 75. Je ne pense pas que c'est nécessaire. OK. Oh, continuez. Je ne peux pas les lire aussi vite et les trier. Assurez-vous, vous êtes gentil, s'il te plaît. Donc, 74. Il n'y en a pas d'autres. Il devrait en avoir d'autres. Je vais écrire le code. 8-6-2-6-5-7-1. Les enseignants, si ça vous tente de regarder les noms qui ont choisi vos élèves, vous les connaissez bien, ce serait fort apprécié. Donc, je vous donne un autre 2-3 minutes là, pour rentrer.
c'est parfait, ça s'en vient bien. Je vous demande de patienter. Merci. Pas nécessaire. J'aime que vous avez écrit au texte en français, c'est bon. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Choisis autre chose. Donc, je vais commencer maintenant, sans plus tarder. On va commencer. Gardez en tête, tu sais, peut-être les enseignants, vous pouvez écrire le nom, le numéro 8626571 comme code. Donc là, je vais démarrer le jeu. Chouette, cool. Voilà. Vous êtes prêts? Alors, question numéro 1. Qui peut m'aider à faire mon choix de cours? Est-ce que c'est mes enseignants, les adultes qui connaissent bien, mon orienteur ou toutes ces réponses? Alors, qui peut t'aider? Tu as des gens partout autour de toi pour t'aider. Oh, je t'ai donné la réponse? Oh, oups. On a commencé avec une facile. C'est très bien. Il y en a qui ont deviné trop vite. Ils sont allés trop vite. Hein? Ouais. C'est très bien. Question numéro 2. Quel parmi les cours suivants n'est pas obligatoire 11e? Donc, j'ai mentionné qu'il y avait 3 cours obligatoires 11e. Puis, quel cours ne fait pas partie des cours obligatoires? Alors, c'est-tu anglais, mathématiques, français ou religion? Et pas obligatoire en 11e année. C'est un peu de truc. Question un petit peu piège. Donc, vous avez bien raison. Le cours de religion, si tu l'as pris en 10e, il n'est pas obligatoire en 11e année. Bravo. Question numéro 3. Alors, j'aimerais avoir des crédits supplémentaires. Quelles sont mes options? Je peux faire le PAI pour des heures d'activité physique après l'école, 110 heures. Suivre le cours de l'harmonie ou l'annuaire. Tu peux faire un cours d'été où toutes les réponses sont bonnes. Quelles sont les options? Quel cours? Comment est-ce que je peux m'avancer dans mes crédits, dans mes cours? Très bien. N'hésitez pas aussi, quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais comme l'Université d'Ottawa offre un cours de design à l'été, c'est vraiment intéressant. Si ça vous intéresse, ça te fait un crédit d'extra et c'est un merveilleux cours. Donc, si jamais ça t'intéresse ce genre de choses-là, c'est une bonne idée. Ça te donne un petit peu plus d'options. C'est très bien. Question 4. Maintenant, si tu veux faire partie de la concentration ciel, qu'est-ce que tu dois faire? Tu envoies un courriel à M. Brassard, c'est lui qui est le coordonnateur. Tu choisis un volet et tu places ces cours-là dans ton choix de cours. Tu dois avoir été un élève de 9e année. Donc, si tu n'es pas en concentration cette année, tu ne peux pas l'être tantôt. Où tu mets éducation physique à ton âge. J'ai pas eu la chance de tout lire. Donc, la réponse, c'est que, justement, tu dis que tu veux faire partie de la concentration en prenant les cours de la concentration. Et c'est pour ça qu'il y a des bulles bleues qui disent aussi qu'il y a des frais tout de suite. Et dans ton choix de cours, quand tu l'imprimes, ça dit que tu es dans la concentration et tu vas avoir des frais à payer. Donc, ça, c'est important. Ceci dit, n'importe qui, si c'est une question d'argent et les choses ne vont pas très, très bien en tant qu'argent, n'hésitez pas d'envoyer un courriel à la direction. On a mis de côté ces sommes d'argent pour les élèves qui en ont le plus besoin. Mais
C'est une possibilité. Donc, si tu veux faire partie de la concentration, tu choisis les deux cours de la concentration. C'est tout. OK? Katia. Question numéro 5. Je dois tout prendre mes cours théoriques afin d'aller à l'université après le secondaire. Donc, je m'en vais à l'université. Donc, il faut que tous mes cours soient au niveau théorique. Anglais, français, mathématiques, sciences et histoire. Hmm? Donc, oui, non, la majorité, car je veux être physiothérapeute ou non. Je ne suis pas assez intelligente. Les réponses sont non. Ou oui, parce que à cause du programme que je veux. Donc, un programme de science ou de mathématiques exige un petit peu que les cours de maths sciences soient au niveau théorique ainsi qu'au moins une langue. Mais il est possible, si tu veux aller étudier en français, tu n'es pas obligé d'avoir anglais, par exemple, au niveau théorique. Donc, ça, c'est la majorité, oui, parce que à cause de la destination. Mais vraiment, il y a, je te dirais, comme 60-70% de mes élèves de 12e année qui s'en vont à l'université ne s'en vont pas dans un programme qui exige des mathématiques et des sciences. Donc, c'est quelque chose à considérer. Si les mathématiques et les sciences, c'est quelque chose que vous aimez pas et que vous voulez pas mettre l'énergie là-dedans, mais dans ce cas-là, vous pouvez décider de, tu sais, d'avoir comme 95% dans vos cours de langue au lieu de mettre beaucoup, beaucoup d'énergie en mathématiques, sciences que vous aimez pas. C'est une stratégie. C'est vraiment tes parents à choisir quelle stratégie et à vous de choisir quel cours que vous voulez. Mais vous devez savoir que mathématiques et sciences ne sont pas obligatoires pour plusieurs programmes à l'université. Donc, c'est à suivre. En passant à l'université, par exemple, tu dois avoir au moins une langue parce que l'université, c'est beaucoup lire, beaucoup écrire. Donc, si tu t'en vas à l'université, il faut être capable de beaucoup lire, beaucoup écrire, beaucoup d'analyser. Ça fait partie. C'est pour ça que j'ai mis l'image de la grosse pièce, là. Question numéro 6. Prendre un cours d'été, c'est une bonne idée. Alors, pourquoi est-ce que tu prends un cours d'été? Je dois reprendre un cours. Je veux une période d'études à chaque semestre. Tu as failli un cours ou toutes tes réponses? Donc, toutes ces réponses? Les cas sont faciles hein, quand, avec les enseignants. Ils n'essaient pas trop de triquer. Quand il y a toutes ces réponses, il y a une bonne chance que c'est là. Donc, toutes ces réponses. Donc, si tu dois reprendre un cours parce que ça n'a pas bien été, on peut s'en parler. On va certainement s'en parler. Alors, tous les élèves qui choisissent de prendre des cours d'été, dépendant de la raison, puis je vais te demander de la raison ou tes parents. Je vais demander à tes parents de m'indiquer la raison pour laquelle tu reprends un cours. Puis si le cours d'été va t'aider à réussir l'année prochaine, c'est fantastique. C'est clair que je ne recommande pas les cours de mathématiques et sciences à l'été. Donc, il va falloir qu'on revoie ceci. Si un cours de mathématiques et sciences, tu veux le reprendre, moi, je le reprendrai à l'école à Paul Desmarais. Tu peux faire le cours de 9e au premier semestre, le cours de 10e au deuxième semestre. Il y en a plusieurs qui le font. Donc, c'est peut-être une solution là, pour vous. Si tu as failli un cours, normalement, il va falloir que tu reprennes un cours pour aller chercher les crédits. Ce cours-là va dépendre de qu'est-ce qu'on a discuté. OK? Aussi, une des raisons qui ne sont pas là, prendre un cours d'été si tu veux avoir plus de cours optionnels à ton horaire. Donc, si tu veux, il y a plein de cours qui t'intéressent, tu n'es pas capable de choisir, mais tu dis, oh, ben, je vais prendre ce cours-là à l'été pour être capable de prendre plus de cours optionnels. D'accord? Donc, bravo, Kahoot! Good job! Prochaine question, 7e question. Pour garder ma place dans mes cours de l'année prochaine, je dois. Alors, si je veux m'assurer d'avoir tous mes cours, là, puis qu'on n'annule pas mon cours à cause de faute d'inscription, je vais vous encourager de faire ceci. Qu'est-ce que tu dois faire?
Donc, effectivement, toutes les réponses. Donc, tu dois faire ton choix de cours Zello, soumettre ton choix de cours, imprimer ton choix de cours, faire signer ton choix de cours, prendre une photo ou numériser, scan, OK, ton choix de cours. Assurez-vous, si vous prenez une photo, que la photo est lisible. C'est vraiment surprenant comment certains élèves sont affreux à prendre une photo de la document, de la documentation. Donc, vous prenez une photo et vous allez le télécharger dans, la porter dans le classroom, dans le devoir qui va être indiqué. Là. D'accord? C'est parfait. Prochaine question. Kahoot encore en tête. Huitième question. Pourquoi est-ce qu'il y a des frais associés à la concentration? Alors, je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, donc on va voir comment vous êtes logique. Alors, pour faire venir des invités spéciaux, pour payer le transport lors des sorties, réponse de rouge, bleu ou pour payer pour le taux de Mme Touchette? J'ai demandé la permission à Mme Touchette pour mettre cette question-là. Donc, c'est clair, 8 personnes pensent qu'on paye pour la Mme Touchette. Des élèves de 9e année. Donc, oui, c'est il y a des invités spéciaux et il y a les transports. C'est clair que cette année, on a été limité dans qu'est-ce qu'on pouvait faire. Les argents qui n'ont pas été dépensés pour ces événements-là vont être donnés aux parents. Okay? À la fin de l'année. Donc, il y a ciel. OK, prochaine question. Bravo, Katia. 9e question. Si tu as eu 52% dans un cours de mathématiques, la meilleure chose à faire, 50%. Puis si tu ne sais pas comment calculer 50%, ce n'est pas bon signe. OK. Parler à la direction, reprendre le cours en 10, prendre un cours d'été ou de tout abandonner. Faites pas de tout abandonner. C'est pas la bonne réponse. 11 personnes tout abandonné. Ah, c'est pas genre, c'est pas ça. Si vraiment tu as besoin de 52%, si tu as besoin de cours de mathématiques au niveau théorique, dépendant si tu veux continuer dans la filière appliquée, donc si tu es dans le cours de mathématiques 1W et tu as eu 52% dans ce cours-là et tu veux continuer au niveau appliqué, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cours d'été à faire, tout est beau. Si tu veux continuer dans la filière théorique, ben je vais te demander de reprendre le cours de mathématiques de 9e année au premier semestre et ensuite le reprendre au prendre le cours de 10e année au 2e semestre. Donc, ça va être important d'aller chercher à 70%. OK? Sinon, on peut se parler quoi que ce soit, mais un 70% va être recommandé pour continuer dans la filière théorique. Autrement, tu vas avoir la difficulté. D'accord? Mais si tu t'en vas dans un programme appliqué, dans un programme collégial ou un programme qui n'exige pas les mathématiques, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'avec un 52% que tu puisses continuer dans le cours à appliquer? C'est beau? Dernière question. Lors de mon choix de cours, je dois considérer, okay, mes capacités, combien d'efforts je suis prête à faire, ce que j'aime ou toutes les réponses. Oh, j'aime beaucoup ça, là, toutes les réponses. Donc, c'est toutes les réponses. C'est bravo. Il y en a qui encore qui vont trop vite. Donc, félicitations. Je pense que ça résume bien qu'est-ce qu'on est capable de faire. Donc, bravo aux élèves qui ont été vite sur le piton, hein, le Black Shot, le Short King et aussi la gagnante, je pense, une Katia. Bravo, bravo aux élèves. Donc, je vous remercie pour votre support. Moi, malheureusement, je ne peux pas voir les questions, donc je ne pourrai pas voir les questions que vous m'envoyez dans le chat parce que je suis propriétaire ici, donc je ne peux pas le voir. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les faire parvenir par courriel.
vos parents, quelque chose que je n'ai pas mentionné puis que je devrais mentionner absolument, c'est qu'il y a une session de parents, d'information pour les parents. Donc, c'est le 10 février, tout le monde. Donc, 10 février pour tout le monde. Le lien a été envoyé à nombreuses reprises. Là. Je l'ai mis aussi, je pense que dans le classroom juste récemment, des événements qui s'en viennent. Donc, s'il te plaît, invitez. Si vous êtes incertain de qu'est-ce que vous voulez faire et vous n'êtes pas à l'aise d'expliquer toute ma présentation à vos parents, invitez-les à venir participer à la rencontre de parents qui a lieu à 5h30, jeudi qui s'en vient. Donc, mettez ça à l'agenda. C'est dans le communiqué de cette semaine. Ça va être envoyé mercredi. Ça se peut qu'on envoie aussi un petit chat, un texto aux parents. Donc, choix de cours pour les élèves de 10, 11 et 12. Directement, donc 10, 11, 12 à le 10 février à 5h30. Donc, je vous remercie et je vais demander à M. Paiement de fermer la présentation parce que je n'ai pas ce bouton-là. Donc, merci pour votre appui et à la prochaine. Si vous avez des questions et vous avez bien passé à travers les informations qui s'en viennent, ça va se passer. C'est beau.